cette capsule-là, je vais vous parler d'une connexion qui existe entre l'achigan et l'écrevisse. Un peu comme nous, les humains, qui souvent raffolons des fruits de mer, l'achigan à petite bouche adore les écrevisses. À grande bouche aussi, mais dans une moindre mesure un petit peu. Parlons de ce qui concerne davantage l'achigan à petite bouche, qui est un poisson plus commun chez nous. Pour tirer profit de ça, que l'achigan adore les écrevisses, évidemment, on gagne à faire des présentations près du fond qui émet une écrevisse. Dans cette catégorie-là, il y a ce qu'on appelle les tubes. Hein, je vous en montre un ici. C'est un tube de 3 pouces que j'aime bien utiliser en lac. Puis en passant, quand la pêche est difficile, en lac et en rivière ou au fleuve aussi, mais particulièrement en lac, ça va souvent arriver qu'on a de la difficulté à faire des captures. On se met à pêcher avec un petit tube comme ça, puis bingo! On se met à faire plusieurs captures, puis la pêche est très bonne. Donc, évidemment, il y en a qui vont dire, ben ça ressemble pas tant à une écrevisse. En fait, ça ressemble à une écrevisse pas de pince. Hein? Toutes ces pattes-là, ces tentacules-là, quand ça bouge sur le fond, on soulève un petit peu des sédiments, puis on sait que la vision des poissons dans l'eau ne lui permet pas de voir les fins détails. Fait que c'est dans les coloris, ça se promène sur le fond, ça a des tentacules un peu comme les pattes d'un écrevisse. Ben pour un achigan, c'est un écrevisse qui n'a pas ses pinces. Puis ça, c'est une proie encore plus facile. Donc, Power Tube 3 pouces. Excellent leurre. Si la pêche est vraiment très difficile, on le sait, c'est payant de rapetisser les leurres. On peut aller avec il s'en fait maintenant des petits tubes de 2 pouces et demi. Encore une fois, Power Tube 2 pouces et demi. Puis comment on les montre? Ben, ça nous prend une tête comme celle-là. On va simplement l'insérer dedans. Faut pas que le fil soit déjà attaché sur le tube. C'est la façon classique de faire. Il y a plusieurs montages. Éventuellement, peut-être qu'on fera une capsule plus détaillée. On la mouille, on l'insère, puis on perce la paroi du tube pour faire ressortir le jet. Tout simplement. Voilà, notre tube est monté. Puis ça, moi, j'accote pas la tête de jig au fond du tube. Ça va nous aider à avoir une action en spirale quand le tube descend vers le fond, puis ça, c'est très provocateur. Donc, plus j'accote ma tête de jig au fond, moins j'aurai de spirale, puis plus je laisse d'espace entre la tête et le fond du tube, plus j'aurai de spirale. Donc, on attache ça sur notre ligne, tout simplement. Une autre leurre dans cette famille-là que j'aime beaucoup, beaucoup, qui m'a permis de prendre des gros achigans, puis qui fonctionne bien... à peu près... Si la pêche est très difficile, je préfère ceux qu'on vient de discuter. Mais à condition normale, disons ça comme ça, j'adore le Chigger Craw 3 pouces. Je vous le montre à l'instant. Ça, c'est une excellente couleur. C'est vraiment... Ils appellent ça Green Pumpkin. C'est très, très près de la couleur d'un vrai écrevisse. Donc, évidemment, on reconnaît ses pinces. Lui, on va simplement le monter sur une tête de jig football. Donc, le plomb est en forme de football. Ça permet ce qu'il tienne bien à plat sur le fond. Là, c'est un 4 pouces que j'ai là. Il est un peu plus gros, mais on l'insère simplement, l'hameçon dans le Chigger Craw, puis on le fait ressortir. Donc, ça fonctionne très, très bien. Si on veut y aller pour le trophée, hein, on peut y aller grossir l'affaire, puis aller dans des modèles. J'en ai un ici, Crazy Leg Chigger Craw. C'est à 4 pouces. Encore plus de tentacules. Hein, voilà de quoi ça a l'air. On le monte sur une tête de jig football aussi. Puis ça, c'est un modèle, moi, que j'adore quand je cherche la grosse pièce. Dans un tournage, je crois que c'est à la saison 2, on avait tourné sur le lac Saint-François. J'ai capturé une petite bouche de 5 livres 15 onces, bien pesée, donc presque 6 livres avec un Chigger Craw comme ça de 4 pouces ou un Crazy Leg Chigger Craw. Grosso modo, il y a deux façons de travailler ça. C'est l'heure-là. On peut le faire au lancer. Fait qu'on va simplement lancer le leurre au loin, le laisser se déposer sur le fond. Évidemment, on cherche à imiter une écrevisse qui est sur le fond. Là, il peut y avoir plusieurs façons de le travailler, là, mais l'important, c'est que c'est une présentation lente. Une écrevisse, ça se déplace généralement lentement sur le fond. Fait qu'en tout temps, on doit sentir qu'on touche le fond, qu'on est sur le fond. Puis avec la pointe de la canne, on donne des petites secousses. De temps en temps, moi, j'aime ça donner une secousse un peu plus grande, comme pour imiter l'écrevisse qui recule. Hein.
la façon que ça se déplace, une écrevisse, quand il y a un prédateur, c'est que ça referme sa queue, puis ça l'ouvre très rapidement, ça lui permet de nager à reculons par coup. Donc, je peux essayer d'imiter ce mouvement-là une fois ou deux. Ma canne est environ à 10 heures ou 11 heures. Ça me permet de ne pas trop m'accrocher, de bien sentir mon fond. Puis on y va d'un ferrage puissant s'il y a un poisson. Donc ça, c'est une façon de faire. On travaille notre leurre comme ça sur le fond jusqu'au bateau. On peut aussi le faire en mouvement, en déplacement. On peut, si on est comme ici au fleuve, on pourrait lancer notre leurre, le laisser descendre jusqu'au fond. Puis là, on se laisse dériver. Encore une fois, la canne est à 10h, 11h. Puis là, on va sentir en descendant dans le fond le courant que notre plomb il rebondit doucement sur le fond. Il faut être alerte. Hein? Ça donne comme des petits coups. Il va se passer un coup un peu plus sec, un peu plus franc quand ça va être un échigan qui va saisir l'écrevisse. Ou à l'occasion, c'est juste un poids. Là, on fait solidement. Puis on ramène notre échigan. En lac, on peut se servir du vent pour faire ça. Là. S'il y a une petite brise ou un vent là, qui n'est pas trop puissant, on lance ça au loin, on laisse descendre au fond, puis on peut se laisser dériver dans la zone payante. On va souvent faire ça quand l'échigan est un petit peu plus en profondeur. Fait que c'est différentes façons de faire. Au niveau de la canne, moi, pour pêcher ces présentations-là au lancer, j'aime une canne de 6 pieds 6, ni trop longue, ni trop courte, de puissance moyenne et d'action rapide ou très rapide. Donc ça, je trouve que c'est parfait pour ce genre de pêche-là. Ici, j'en ai une qui fonctionne exceptionnellement bien pour ça. C'est une canne très sensible, très légère. C'est une Fenwick Techno. Donc, c'est des cannes qui sont d'une grande sensibilité. Là. On peut sentir le plomb qui marche sur le fond, puis dire, OK, là, je suis rendu dans le gravier. Oups, là, c'est du sable. Oups, j'ai agrippé un petit peu d'herbe. Sont super légères. C'est des cannes que j'aime beaucoup, beaucoup. Si on drague nos tubes, là, si on se laisse dériver et tout ça, ça va dépendre de la profondeur à laquelle je fais ça. Parce qu'on pourrait le faire à n'importe quelle profondeur, ou presque. Mais quand on parle, disons, de 20 pieds et plus de profondeur, je vais souvent préférer une canne de puissance moyenne lourde. Parce que, particulièrement pour les grosses pièces, un gros échigan qui saisit un tube ou un chigger craw dans sa bouche, là, des fois, il serre fortement. Là, on est creux, on est loin derrière le bateau. Quand on va faire le ferrage, des fois, c'est pas suffisant pour faire pénétrer l'hameçon. La chigante tient déjà fermement le tube. Là, il va monter, il va sauter en dehors de l'eau, puis il va vous cracher le leurre. Fait que dans ces circonstances-là, où je drague des tubes ou des présentations comme le Chigger Craw plus creux, je vais préférer avoir une canne de puissance moyenne lourde. Fait qu'au ferrage, là, cling, je parviens avec un ferrage puissant à bien faire pénétrer l'hameçon pour pas qu'on perde notre poisson. Donc, vraiment, les pêcheurs d'achigan, ceux qui ne sont pas familiers avec ça, la connexion écrevisse, il faut l'utiliser, c'est payant pour prendre des beaux achigans et avoir du plaisir avec ce poisson-là.